La cathédrale Saint-Étienne, de jour, le joyau gothique de Metz, la même la nuit, métamorphosé par un subtil jeu de lumière. Pendant 2 mois, la ville va se parer ainsi de ses plus belles couleurs et faire appel à l'imaginaire de tous ses visiteurs, avec ce thème très poétique, l'eau dans l'espace, des œuvres numériques s'invitent dans les plus beaux monuments. Quelques heures avant le début du spectacle, Clément Minella est chargé de vérifier les installations. Alors là, j'allume tout. L'œuvre doit s'activer sans encombre à l'arrivée des premiers spectateurs. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Après, s'il y en a, c'est pour ça que je viens en avance, pour avoir le temps d'éventuellement les régler. À la tombée de la nuit, les œuvres se réveillent. Les miroirs reflètent la beauté de l'expérience. Les organisateurs ont sollicité des artistes du monde entier, comme ce nuage interactif venu du Canada. Pendant quelques secondes, les visiteurs sous le charme retombent en enfance. On est à tout, les gars. Jour, nuit. Vous avez des fils partout, tout le monde joue avec et tout. Donc il y a une idée d'interaction derrière tous ces fils qui s'entremêlent. Ludique, le festival veut aussi populariser un art méconnu, l'art numérique. La rencontre entre le logiciel, l'humain, les interfaces, utiliser l'art numérique comme un outil artistique. Je dirais le pixel comme un pigment ou l'ordinateur comme un pinceau. 22 œuvres sont présentées dans des bâtiments devenus leur écran, comme ici à l'hôtel de région, un mariage réussi entre art contemporain et architecture plus classique. C'est aussi d'amener l'art dans des endroits qui, à la base, n'ont pas été pensés pour ça, et de s'approprier un lieu et d'essayer de lui donner vie au travers d'une œuvre. À la fin du parcours, le clou du spectacle, 6 projecteurs embrasent le monument phare de la ville, sa cathédrale. Le festival Constellation porte bien son nom. La cité lorraine aura tous les week-ends de l'été la tête dans les étoiles.